Ben, premièrement, j'avais failli bosser avec Christophe il y a quelques années quand il était à Oyonnax. L'opportunité s'est représentée cette année. Puis c'est un club qui joue les phases finales régulièrement, qui joue le haut tableau, qui cultive quand même ce côté familial. Et tout cela me rapprochait de Perpignan aussi. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses qui ont fait que j'ai dit oui assez rapidement. J'ai trouvé un groupe de beaux mecs, vraiment de beaux mecs, un groupe assez ouvert. Donc comme on n'est pas beaucoup de recrues, l'intégration s'est faite assez vite. Le fait aussi qu'il y ait des choses mises en place pour intégrer nos familles, voilà, c'est un point positif pour nous. Et puis c'est un club très structuré où le joueur est assez... est assez chouchouté, donc c'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il faut pour viser l'excellence. Donc pour l'instant, je suis vraiment pas déçu. Une petite anecdote, ben, disons que forcément, quand on arrive dans un nouveau club, on se fait bizuter, c'est la règle. Et donc, je suis assez peu fier parce que j'ai dû chanter l'Estaque, qui est une chanson en catalan. Et du coup, je sais pas si c'était la pression ou autre, j'ai oublié les paroles, donc c'était assez compliqué, mais les mecs ont été assez compréhensifs.